Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Enigma Green de retour sur Two Point Campus. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai eu mes 3 étoiles directement, donc ça c'est cool. Et aujourd'hui nous allons commencer donc la chevalerie qui est là. Donc ne perdons pas de temps, allons-y, c'est parti. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, sur l'ancienne vidéo je me suis trompé, j'ai dit une connerie au niveau des kudoches. En fait ils se cumulent. Et moi je pensais qu'il me restait des kudosh sur les premiers niveaux et au final non, je suis resté à 3, donc j'ai vraiment dépensé tous mes kudosh. Voilà, j'ai pu débloquer pas mal d'éléments et de décorations, donc ça c'est cool. Donc allez, c'est parti. Donc préservez les traditions de la chevalerie et défendez votre campus contre la concurrence locale. Ok, donc on va avoir des combats sûrement ou une autre écurie qui vont venir nous faire chier, donc c'est sympa. Bah écoutez, c'est parti, allons-y. Alors, ça a l'air sympathique, il y a l'air d'avoir de la place. Ouais. Alors, en garde, bienvenue à Double Steed, où rien n'a vraiment changé depuis des centaines d'années et où des chevaliers vagabondent dans les rues comme si de rien n'était. Joutent toujours, telle est leur devise, car être un chevalier, c'est bien plus que se montrer poli et avoir des chaussures en métal. Tout réside dans l'esprit de compétition, que les meilleurs chevaliers gagnent. Ok. Alors, il va falloir construire une école de chevalerie. Alors, Lord Blackguard, salutations et bienvenue à Double Steed, dernier grand bastion de la chevalerie de Two Point Country, Tayo. Je suis Lord Blackguard et je dirige l'école de chevalerie de l'autre côté de la ville, ça a toujours été ainsi. J'ai suivi les traces de mon père, et lui celle du sien, et lui celle de l'oncle, Denis, du côté de son père. Nous attendons une bonne compétition amicale depuis des centaines d'années. Place à la joute, Tayo. Ok. Alors, déjà mettre un amphithéâtre, on est d'accord. Alors, moi, par contre, j'aime bien regarder au début. Alors, ici, on a effectivement quelque chose là. Ah, il y avait un verre ici. Putain, j'ai raté. On a aussi tout ce terrain là. Ok, pas mal. On a ce coin là aussi, apparemment. Ouais, par contre c'est gênant ici, parce que comment ils font pour passer, il faut mettre un pont, comment ça se passe? Là il y a l'air d'avoir un grand terrain aussi ici. Donc là non. Ah là, ici aussi. Ah ouais quand même, ça m'a l'air d'être assez grand quand même leur truc là. Ok, et là-bas on peut plus, d'accord. Bon, ok. Bon, alors du coup on va mettre l'amphi, alors l'amphithéâtre. Je pense qu'on va commencer. Franchement, je sais pas comment je vais faire. Il faut un terrain de bataille aussi. Et il faut un pédagogue en école de chevalerie. Alors, je me demande si ça, je vais déjà pas le prendre en fait. Ça coûte 40 000 balles. Ouais, je sais pas. Non, je vais commencer comme ça déjà. On va mettre un amphithéâtre. Déjà pour les cours. Et je vais le mettre ici du coup. Alors donc c'est du 4 sur 4. Alors là moi ça me gêne ça, parce que 4 sur 4. Ouais. Ok. Et la porte ici. Alors là dans ce niveau là je sais pas s'ils ont besoin de chaleur ou pas. Aucune idée. A priori, il n'y a même pas besoin de s'occuper de radiateur, et ça c'est cool. Ok, ça c'est fait. On va mettre un pédagogue directement spécial chevalerie. Bon, bah de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà mon coco. Et un terrain de bataille. Alors là, le terrain de bataille, je présume que c'est à l'extérieur. Il est là. Ok, voilà. Donc interdit dans le bâtiment de campus, très bien. Ok, un terrain de bataille, donc c'est du 5 sur 5. Alors je mettrais bien, je sais pas, écoutez, on va mettre là, ouais, 5 sur 5.
essayer de faire comme ça. Je sais pas du tout ce que ça donne. Hein. Oh putain, il y a le verre. Oh putain, il est en train de me troller lui. Il y en a deux là. Non. Ah. Fumier. Je vais faire du 6. Putain, mais il y en avait 3 là. Mais sérieusement. Alors ça, c'est quoi ça? Union non valide. D'accord, donc là, ça serait effectivement l'entrée. Ok. Non, pas mal. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Des petits chevaliers en carton, là. Ça va être pas mal, ça. On va voir ce qu'on peut faire, hein. Bon, ça coûte 200 balles, donc ça va encore. C'est pas non plus trop cher, ok. Ah, ça par contre, la cible, ça je veux bien. Je veux bien les voir tirer à la cible, les mecs. Ça, ça m'intéresse. Par contre, comment je vais faire là? Peut-être comme ça de ce côté-là. Voilà, un petit tonneau en déco, pourquoi pas. Et c'est bon pour moi. Ok. Bah écoutez, on peut commencer directement l'année, c'est parti. Alors, ici, école de chevalerie, ok. Là, j'ai 10 points. 10 points, 10 points, 10 points. Non, allez, on y va, c'est parti, let's go. Alors, ce qu'il y a de chouette dans la vie d'un chevalier, c'est le danger permanent, taillot. Une fois, je me suis pris une lance perdue dans la bouche alors que j'étais sur les toilettes. Oh bah putain. Un campus noble et bon se doit de fournir des soins médicaux. On a beau porter une armure, on n'est pas invincible. Les étudiants vont forcément se blesser pendant leur présence sur le campus. C'est irresponsable. Construisez une infirmerie et recrutez un assistant qualifié en premier soin. Ok. Alors l'infirmerie, bah, on va la mettre dans l'entrée là, l'infirmerie de toute façon. Infirmerie. Elle est là. Et donc c'est du 3 sur 3. Ok. Alors j'ai pas trop envie de. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Hop. Je vais remettre. Non. Hop. Je vais remettre ici. Voilà. Hop. Le petit bureau. La petite étagère. Et roule mimille. Allez. On va voir un petit peu la gueule des chevaliers là. Ok. Ça, ça va être cool, hein. Allez, les premiers chevaliers arrivent. Je vais embaucher. Bah oui, forcément une assistante, hein, on est d'accord. Voilà. Ok. Et embaucher donc un concierge. Déjà, je vais prendre. Voilà. Alors, vous avez beau avoir gagné une bataille ou deux. Lord Blackguard n'abandonne pas si facilement, peu importe ce que disent les rumeurs. Cela me met du baume au cœur de voir de nouveaux noble steeds engagés dans une glorieuse bataille. Que les meilleurs chevaliers gagnent, Taillot. Ok. Pupitre peut être amélioré. Bah ouais, on va attendre pour le moment. Allez, doucement, hein, mon gars. Moi, j'ai envie de voir un petit peu ce qui se passe, là. Ok, donc soigner 5 problèmes médicaux pour avoir une étoile, le taux d'attrait 75%, valider des cours école de chevalerie avec une note de B+, et débarrassez-vous de 15 envahisseurs. Très bien. Bon, bah, ça va. C'est pas trop compliqué. Allez, voyons voir un petit peu le cours. Qu'est-ce qu'il fait là? Le mec qui téléphone, ok, tranquille.
Ok, il va falloir forcément une chambre. Donc des lits, bien évidemment. Alors, ils veulent une bibliothèque. Pour l'instant, je le fais pas. Alors, attention. C'est parti. Alors, on va faire. Bah, de toute façon, voilà. On va faire la résidence. Le foyer, je vais voir si j'ai encore un peu de sous. Je vais faire des chiottes, une salle d'eau. La bibliothèque, éventuellement. Et je vous reprends après. Voilà. Allez, à tout de suite. Ok. Alors niveau 4 c'est cool. Alors donc j'ai mis donc salle de douche, chiottes, donc la chambre, donc j'ai vu grand hein, bien évidemment. Pour la suite forcément. Normalement je devrais avoir assez pour les 3 étoiles. Oh, évacuer 3 envahisseurs. D'accord. Alors comment on fait pour les évacuer ces fumiers? Ok, on garde quand même des sous pour le moment. Alors attention, il y a des envahisseurs qui vont arriver, je sais pas quoi ils ressemblent. Votre campus est un vrai succès, Taïo, mais comment vous en sortirez-vous contre les chevaliers gredins de Noblesteed? Voyons voir ça. Ouais, je sais pas. Votre campus peut se faire envahir de vifs conspirateurs ou de chevaliers pleins de bonnes intentions. Les concierges qualifiés en sécurité chassent les visiteurs indésirables avec une facilité relative et un minimum de larmes. Alors c'est parti mon kiki. Un concierge... bah de là, regardez, il est là. Cool. Allez, c'est parti. Au boulot, mon gars. D'accord. Il est en train de foutre le bordel, lui. Voilà. D'accord. Non, mais... Un coup de pistolet à eau, c'est suffisant, non? Ou pas? Eh, il s'est barré. Dépêche-toi! Ok, alors peut-être qu'il a une casquette. Ils ont des casquettes. Enfin, des casques blancs, peut-être, je sais pas. Si on peut les reconnaître comme ça. Oh! L'infirmerie. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, mais il est en train de tout casser, le fumier! Ah, j'avais pas vu. En fait, il est en train de taper sur le bordel, quoi. Mais c'est sérieux, quoi? Ah, ils sont en train de s'entraîner les mecs là. J'aimerais bien voir un qui tire à l'arc là, ça serait sympa. Mettre de la poubelle parce qu'il y a des déchets. Votre personne est en pause mais n'a nulle part où se détendre. Ouais mais non en fait. J'ai pas envie d'avoir de pause moi. Non 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 non. Oh, vous venez d'arriver les gars. Hélas, vous avez défait mes chevaliers avec Maestria. Qu'importe, ils en prendront de la graine, Taïo. Ok, c'est bon. Bon, y'en a pas un qui fait le tir à l'arc là? Bah oui, il est en train de réparer et l'autre il l'a déglingué. Puis il y a l'infirmerie aussi les amis. Hein. Et l'autre il veut quoi? Un bon de l'amour. Ok, il y en a zéro qui se sont échappés. Tu veux un bon de l'amour. Ok, alors bon de l'amour pour l'instant, je sais pas où te mettre moi. Écoute, je vais te mettre là, tranquillement. Voilà, profite. Va pécho. Oh, toi, c'est niqué, toi, le vert. Allez. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de voir donc les tirs à l'arc, vous inquiétez pas. Bon, là, notre C+, bien évidemment, c'est pas terrible. Alors, il va falloir faire une salle de repos, ok. Bon, bah, on va faire la salle de repos. Salle de repos. Bah, je sais pas où c'est que je vais la mettre, parce que je sais pas ce qu'il va me demander après. Mais de toute façon, après... Au pire des cas, de toute façon, je redéplacerai les pièces et ça, c'est pas grave. Salle de repos. Allez, on va en faire une là. On va en faire une. Ouais, une belle quand même. Après, il va falloir que je mette des bancs. Hop. Alors, ensuite, on va mettre un petit canapé. Voilà.
la petite table. Hop, voilà. Le petit kit de thé. Une petite armoire. La lumière, la lampe, la téloche, évidemment. Et puis ça aussi, on va essayer de la monter au niveau 5, on va voir. Pour le moment, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Une petite poubelle? Non. On va leur mettre ça, ils aiment bien ça. Ils aiment bien ces conneries-là. Là. Voilà, nickel. Allez, allez vous reposer. Il va falloir faire de toute façon un foyer, ça c'est sûr et certain. Alors je vais déjà leur mettre des bancs. Par contre c'est dommage que je n'ai pas... Non. Alors on va leur mettre un coin boisson, mais je sais pas où c'est que je vais mettre ça. Ici après je peux mettre une petite pièce, ici une petite pièce du tutorat éventuellement. Allez, servez-vous les gars. Faites-vous plaisir. C'est fait pour. Je vais pas trop m'avancer parce que j'ai envie de faire des choses. J'ai quelques petites idées. Allez. Petite borne d'arcade là si vous voulez vous amuser les gars. Voilà, bon ça cette merde j'aimais pas mais au final ça marche toujours. Essayer de mettre ça droit quand même. Ok, alors ça on va mettre ça à l'extérieur si on peut. Hop. Ok pour moi. Bon, c'est normal, j'ai dépensé des trucs. Hein. Alors ici, guérissez trois étudiants souffrant de foulure chevaleresque. Ouais. J'aimerais bien en voir un se faire mal. Je sais pas ce que c'est. Toi déjà, pourquoi tu fais la queue alors qu'il y en a d'autres? Alors il y a différents costumes, vous avez vu, il y a des costumes en armure, des costumes avec les couleurs là, c'est bizarre. Je sais pas si c'est une question de niveau. Si je clique sur lui, il est au niveau quoi lui? Niveau 5, et lui... Ah j'ai pas vu, attendez, hop. Niveau 4, d'accord. Donc c'est bien par niveau au final. Bon, vous voulez pas tirer à l'arc, hein. Ils s'en battent les steaks. En tout cas, j'ai hâte de voir le reste parce que ça m'a l'air sympathique. Bon, bah écoutez, le taux d'attrait 75%. Alors, le taux d'attrait... améliorer l'aspect de votre campus en plaçant des éléments attrayants, ok, à l'intérieur, à l'extérieur, aux côtés des concierges pour arroser les plantes et nettoyer les déchets. Alors, c'est vrai que les plantes, j'en ai pas mis. Après, moi, comme je vous dis, je suis pas fan de plantes parce que ça leur donne trop de boulot. Mais pourquoi pas? On va voir ça. J'ai loupé. J'ai loupé les plantes. Voilà. Bah, de toute façon, on a qu'une sorte de plante pour le moment. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir leur mettre? Ah oui, ça des téléphones, il faut mettre des téléphones ça. Oh. On peut en mettre beaucoup mais... Ok.
Ensuite. Visite de Blagard. Assistant nécessaire dans bibliothèque. Alors c'est vrai que j'ai qu'un assistant moi. Il va falloir que j'embauche un deuxième assistant. Niveau 1, ouais. Bah... Pour l'instant on a que des petits niveaux bien évidemment. Nous voici, ok, donc il y a l'autre là, il y a la concurrence qui arrive là. C'est ici la poubelle, d'accord. Bon, c'est toujours un petit peu long au début, hein, faut le temps que. Ouh! Hop, 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 toi, je te tiens. Voilà. Bon, ça, parce qu'il reste quand même un petit peu plus longtemps, je trouve. Mais je pense que non, au final. Mais là, les verluisants, ouais, j'ai l'impression qu'ici, c'est le secteur des verluisants. Hein. Bon, ici, de toute façon, on va falloir forcément essayer de l'acheter, ce terrain-là. Par contre, il coûte combien? Ah, oh, 40 000, ça va encore. Il doit être en deux parties, à mon avis. Bon, il n'y a pas eu de... Non, personne veut soigner, là. Comment ça se fait, là? Attends. Tu fais quoi, toi? Assistant. Ah oui, d'accord, c'est parce que... Okay. On s'attend à des problèmes de rouille sur le campus. Ah bon? Pour un chevalier, il n'y a rien de plus terrifiant qu'une prévision de crachin. Les chevaliers qui souffrent de gonflements rouillés ont besoin d'être traités à l'infirmerie. Ah! Voilà, ça c'est cool. Alors allez-y, allez vous faire soigner. Par contre, il me faut un infirmier. Mais... il me faut un infirmier, les gars, là. Il est parti où, l'autre? C'est toi, là? Ah oui, forcément, il pleut. Bah oui, ça va rouiller. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je sais pas. Ça va gratter. Dépêche-toi. Ça c'est quoi ça? Discours d'encouragement, ouais. Oh putain, j'ai encore loupé le verre, évidemment. Il y a un verre qui m'a trollé. Hop là! Cool! J'ai bien ramassé des verres. C'est pour avoir effectivement ici, dans les carrières. J'en avais un, je dois ramasser 25 verres. Alors, je sais plus où c'est, mais. C'est ici, je crois. Obtenez 25 verres lisants. Ouais. Alors, est-ce qu'ils se font soigner ou pas, les gars, là? J'aimerais bien voir ça, moi. Là, je pense qu'il y en a un qui va arriver. Ouais, lui. On va regarder. Vas-y, rentre dedans. Bah alors. Rentre dedans! J'ai fait tous les calculs et je crois bien que je vais me planter cette année. Il y a deux étudiants qui risquent d'échouer. Okay. Bon, je vais pas les virer hein, comme la dernière fois que j'avais fait en gastronomie. On va les laisser, c'est pas bien grave. Ok, bienvenue à Two Point Hospital, les gars. Regarde. C'est égal, mais ça pourrait. Voilà. Hop. Il est soigné, il est tout beau, tout propre. Une belle armure bien brillante. Voilà. Bien restauré. Ok, bah je me fais 357 de bénéfices. Hein. C'est de bénéfices, c'est un peu de la merde. Ok, on a soigné donc un chevalier. Alors, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est faire une salle. Donc, pour l'attrait, bien évidemment. Oh là 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 là, le bug, encore un bug. Non, c'est bon, nom de Dieu. C'est pas possible, ça. Vite, une sauvegarde. Merci. Alors, hop. Donc, c'est la salle. Ah oui, c'est la salle de tutorat que je voulais faire aussi, mais. Je voulais faire surtout
Le foyer des étudiants, voilà. Et là, je voulais le faire là. J'espère que ça va pas me coûter trop d'argent quand même. Et je pense que si, mais on va le tenter. Allez, hop. On va leur faire un petit foyer. Comme ça, ils vont pouvoir faire la fête. Par contre, je vais pas faire un truc énorme. Ça, je peux. Pas de... Ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre la cuisinette, bien évidemment. Je veux pas trop m'enflammer quand même. Ensuite, une table ou deux. Pour l'instant, c'est suffisant. On va leur mettre. Un jeu de fléchettes. Le frigo. Ouais, on va leur mettre un frigo. Voilà, on va leur mettre bien évidemment une poubelle. On va mettre là. Et puis ça sera pas mal. Ça, ça coûte trop cher. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur mettre? Je vais mettre ça, mais par contre je vais changer. Allez, place. Voilà. Allez. Oui. Donc l'attrait va remonter un petit peu, je pense. Niveau 5. Bon. Vas-y, donne-moi mes sous. Alors, plus votre campus est couronné de succès, plus vos rivaux s'acharneront à saboter nos projets. Recruter et former des concierges qualifiés en sécurité pour les invasions plus rudes liées au niveau de votre campus. Ok. Alors le pupitre peut être amélioré. Ouais, mais c'est quand même 15 000 balles. Mais bon, allons-y, on peut le faire. Là, on y va doucement quand même, là. Ah, lui, il veut un tuto, lui. Lui, il a besoin, veut un tuto, ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, je pensais le faire, le tuto. Donc ça c'est cool et je vais le faire à l'entrée en fait. Parce que ça, ça prend pas trop de place. On est du 3 sur 2. 1, 2, 3. On est pas mal. 1, 2, 3. Voilà. Tant pis. Voilà, niveau 3. Très bien. Allez, il n'y a plus qu'à. Bah toi tu te faisais chier, ça tombe bien. Allez, vas-y, va gratter. Je me demande si je vais pas en embaucher un autre quand même. Ouais, toi t'es bon en tuto, toi, et en chevalerie. Je t'embauche. Voilà. Alors, on s'est déjà débarrassé de 3 sur 15 d'envahisseurs. Ok, il reste encore à soigner. Ah bah, voilà, il va évacuer des envahisseurs. Il reste à soigner encore 4 problèmes médicaux. Le taux d'attrait 75. Ça remonte légèrement, ouais, 60. Il faut valider forcément les cours d'école de chevalerie avec une note de B+. Donc, je pense que ça sera sur la deuxième année et se débarrasser donc des envahisseurs. Et étudiants aient terminé leur tutorat. Donc, il en faut 3. Donc, ça, c'est cool. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à. Alors là, il y a des chevaliers qui vont foutre le brin. Je sais pas où ils sont, c'est con. Je sais pas comment on les reconnaît. Je sais plus comment on les reconnaît, les mecs. C'est qui ceux-là? Ah non, ça c'est son cours, ils sont en plein cours. Risque d'échec. Ah ouais. Mais risque d'échec, va au tuto. Voilà. Qu'est-ce que tu nous emmerdes? Toi, va au tuto aussi. Allez, au boulot. Allez au tutorat, les gars. Bon, en attendant, on va y avoir un nouveau cours. Ah, c'est vrai qu'il en aurait fallu un deuxième de tuto, mais bon, pour l'instant, c'est chacun à son tour. Oh. D'accord, ils sont comme ça, les mecs. Allez, fous-moi le camp. Bon, le problème, c'est que le gars, il est tout seul, là, donc... J'en embaucherai bien un deuxième, et là, par contre, comme j'ai pas plus trop d'argent, faut que je fasse gaffe. Ouais, il y a des étudiants qui laissent d'échouer, mais... S'ils ont le temps d'aller au tuto entre-temps, mais ça va être chaud, hein. Parce que là, ils sont en train de s'entraîner, là, pour l'instant.
ils veulent pas tirer à l'arc, y'a rien à faire. Hein. Bon, eux, la trompette de l'amour. Ok, là ça va être compliqué là de regagner de l'argent. Mais c'est pas grave, on va y arriver, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà, tuto, franchement, ouais, donc lui il attend, mais. Je suis pas sûr qu'il va avoir le temps d'aller au tuto celui-là. On risque de les perdre. Mais c'est pas grave en soi. Qu'est-ce qui se passe là? Oh bah mon pépère! Bah alors, t'as voulu faire le malin? Et fous mal camp! Alors! Sacré con! Hop 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 hop! Viens là toi! Youhou! Je t'ai chopé! Bon, allez! Hélas, vous avez défait mes chevaliers avec Maestria. Qu'importe, ils en prendront de la graine. Taillot. Allez, fous-moi le camp. Allez, donne-moi des sous. C'est bien. Bon, on va essayer. Je vais essayer de me débrouiller comme ça. Hein. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Faut pas que je rajoute deux pièces pour le moment. Faut absolument que je finisse ma première étoile. Mais on va finir l'année ensemble, de toute façon. Pour voir un petit peu les résultats, et puis de toute façon, on verra ce qu'on aura besoin pour la deuxième année, mais je pense qu'on n'aura pas besoin de grand chose de plus. Pas sûr que j'ai des B+, je suis pas convaincu. Quoique, on a pourtant amélioré le. Ouais, on l'avait amélioré celui-là. Hein. Ouais. J'aimerais bien voir un petit peu la note, mais bon, sinon c'est con. L'année va se finir. Ah, il y a des pistolets à eau sur les tables. Là. Oh, tu vas où, toi? Ok, tu vas éviter la poubelle. Bah, allez vite, la poubelle. L'année universitaire a terminé, les résultats sont tombés. La cérémonie de fin d'année va bientôt commencer. Cool. Alors, ça, bon, ça fait un petit peu de sous, hein, c'est pas dingo. Ouais, je pense que lui il a foiré, ouais. Il a foiré, ouais. Quitte le campus, échec. Bon, je pense qu'on aura eu deux échecs pour la première année. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ah, on a eu qu'un échec au final. On a eu qu'un échec, 90%. Il y en a 9 qui ont continué sur 10. 72%. Bon, c'est la première année, hein, c'est normal. Il n'y a pas de meilleur défi pour un chevalier que le terrain de joute. Je sais de quoi je parle. J'étais champion il y a fort longtemps. Ah, c'est peut-être le moment de remonter en selle. Je n'ai pas trop divulgué la suite du scénario, j'espère. Taillot. Ok, cool. Le terrain de joute, ça me plaît, ça. Pour prérequis du campus. Alors, avant toute chose, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose ici? On a 40 points. La culture, histoire d'internet. Je sais pas trop quoi rajouter, hein. Histoire de l'internet, ça me plaît, mais. Bon, pour l'instant, je vais rien faire. Non, je vais laisser tel quel. Alors, déjà, peut-être l'améliorer. Alors, pourquoi pas. Voilà. Ça, c'est cool. Et on va faire donc le terrain de joute. Alors, nous n'avons pas assez d'argent pour couvrir nos frais. D'après nos projections, nous allons perdre 11 000 balles. Ah. Bah, ouais. Ah, on fera après le terrain de joute. Alors là, le terrain de joute, c'est du 12 sur 8. Ouais. Alors 12 sur 8. Ok, donc là c'est mort. 12 sur 8. Ok, on va faire ça. Je peux pas. 12 sur 8. Si je peux, là. Oh, ok. Alors, ici, on va mettre l'entrée là, comme l'autre, bien évidemment. Oh, regardez-moi ça, c'est stylé. Ça, c'est génial.
Du coup, on va peut-être le mettre, je sais pas. Allez, on va mettre ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça me plaît, ça me plaît. On va mettre ça là. Ouais, je sais pas trop. Ah, mais il va falloir mettre les gradins de toute façon. Et ouais, donc il va pas falloir trop que je m'enflamme au niveau des bordels, hein. Je vais le mettre dans le coin. Ça, c'est quoi ça? L'entrée, non, c'est bon. Bah, ça, de toute façon, on met 30 000 balles. Voilà, 30 000 balles. Voilà, bah, super. Ça va coûter bonbon, mais c'est pas grave. Il faut ce qu'il faut. On en a besoin. Je peux pas le plus se rapprocher. Ouais, mais après, c'est. Hop là! Cool, on a plus de sous. On va mettre un petit peu de tonneau ici, histoire de dire. J'aime les tonneaux, ça décore, c'est pas mal. Voilà. On peut même en mettre un là, éventuellement, pourquoi pas. Bon, on fera après, hein, s'il y a besoin, ne vous inquiétez pas. Alors, on peut quand même débloquer des choses aussi, ça peut être sympa, mais on valide ça. Nickel! Maintenant, il n'y a plus qu'à gagner des sous et voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Bon, ça va être forcément ouais, des combats de joutes, hein, évidemment. Il faut un pédagogue, mais pour l'instant, je ne peux pas, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui t'arrive? Toi, t'as envie de pisser? Petite faim sous pression. Ah, bah, vos chiottes. Qu'est-ce que je te dise? Voilà. Et puis, bah, du coup, il va y avoir forcément la formation. Et ça, je vais le voir avant la fin de la vidéo. Moi, je vous le dis direct. Là, il manque un infirmier, mais. Commencer l'année. L'année. Ah, bah oui, bah, il faut commencer l'année, je suis trop con. Allez, c'est parti, on y va. On commence l'année. Let's go! Alors, pour l'instant, je rejette, j'ai pas les sous. L'autre, il veut un banc de parc. On va mettre son banc. On va lui mettre son banc là. Pas de problème. Voilà, tiens, regarde. Ça te va ça? Allez. Allez, comme ça c'est fait, ils sont contents. Bon, c'est parti pour la joute. Allez, là c'est les cours. Oui, vas-y, allez, m'emmerde pas avec ça, toi. Allez, c'est parti, un petit cours de joute. Oh, regardez. Allez, pétain. Ça c'est cool. Alors après on va pouvoir créer un événement. Attention. Peu. Ouh, il a pris cher lui. Ouh, il a pris cher. Bing. Oh putain. Oh, raté! Il y a l'autre là, qui s'excite. Alors, c'est cool parce qu'on va pouvoir créer un événement. Donc, ce que. Ben, je vais le lancer tout de suite. Comme ça, on va pouvoir en profiter. Alors, on clique dessus. Non, pardon, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ok, et là, vous faites configurer un événement. Tournoi de joute. Et c'est parti, mon kiki. Et ça sera le mois prochain. Encore une invasion, mais bon, ils vont s'en occuper.
c'est parti les gars! Allez! Waouh, vous êtes sérieux quoi? Je fais de la merde là! Allez! Ouf! Le tournoi il va être génial! Ah ça y est, c'est parti. C'est parti les amis, le tournoi. Ah, regardez-les, ils sont là et tout, c'est stylé. Bon, bah, l'autre il démonte avec son cheval quoi, direct. Sérieusement. Alors c'est parti. Et puis ça tombe bien, en plus t'as les mecs qui sont là quoi. Tournoi de joute, allez. Boum. Ah, c'est excellent. Allez. Ça baigne. C'est cool de vous rencontrer. Touchez pas la cassette, compris. Oh, il y a Mage Bidoche qui arrive. Ouf. Oh la vache, tout il est descendu de sa monture. Voilà, façon puzzle sur votre campus, une preuve renversante de votre triomphe dans la joute. Tayo. Eh ouais. C'est cool. Ah, j'ai bien aimé. J'ai hâte d'être à 2 étoiles pour voir un petit peu ce qu'on nous propose aussi. Vas-y, nickel, très bien. Donc promotion du mage Bidoche environnement. Alors je sais pas où il est le mage Bidoche, j'ai envie de le voir avant de vous laisser là-dessus. Il est où le mage Bidoche? Il est où ce con? Je pense qu'il va arriver, il est pas arrivé encore. Ah, c'est quoi ça? Allez là, regardez. Oui, regardez le mage. C'est un sorcier ça. Bah oui, qu'est-ce que tu fous là? Tu t'es trompé d'université gros. École de chevalerie. Bien. Ouais, j'avais pas vu qu'il pouvait monter là-haut, bah oui, évidemment. Alors ici. Alors attention. Ah oui, ok. Je pense qu'il va y avoir du diplômé. Hein. Je pense que les 30, on va les avoir. Hein. Je pense avec la note A. Bon, après, si je les ai pas, ça sera pas bien grave. Hein. Ça sera dans la prochaine année, de toute façon. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Problème médical. On va dans l'infirmerie. Je suis mis en merde. Ok, là ça marche bien là. Nickel. Allez. Bon, on est à 12 sur 30. Ouais, bah écoutez, j'ai pas eu. C'est pas grave en soi. Ça sera pour la prochaine année. Diplômé 33, continuation 65, ça va. On s'en sort bien. Alors oui, il y a eu des diplômés, mais pas tous en note A, donc forcément. Et oui. Mais ça, c'est pas grave, donc ça sera sur la prochaine année de toute façon. Du coup, qu'est-ce que j'ai à débloquer? C'est ça, et ça c'est quoi? Gagner roi de cœur 10 fois, ok, très bien, merci. Voilà, et donc le prérequis, il va falloir donc 2 amphithéâtres et un autre laboratoire de sciences pour pouvoir continuer la nouvelle année pour le 3 étoiles. Bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous à Poudlard, hein, parce que moi je vais continuer tout seul ici, juste pour débloquer la 3ème étoile. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ça vous plaît, néanmoins. Bon, il n'y a pas beaucoup de vues, bien évidemment, parce que je suis un petit youtubeur. Mais bon, voilà, ça c'est pas bien grave, vous inquiétez pas. Je fais ça vraiment par plaisir. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.